Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une recette de clafoutis aux mirabelles demi-cuites. Je vais réaliser cette recette au Compact Cookélite et vous allez voir, c'est hyper facile à faire, très simple à réaliser. Je vais commencer à huiler en mettant un peu d'huile sur du papier sopalin. Je huile le fond. Le bitonio, voilà, pour éviter que ça n'accroche. Je mets le pied 4 lames. Je commence par mettre 2 œufs. g de sucre en poudre. Un sachet de sucre vanillé. 80 g de farine que j'ai mélangée avec 40 g de maïzena. Une pincée de sel. J'ajoute 2 verres à moutarde de lait. Voilà. Et j'ai prévu aussi 500 g de mirabelle demi-cuite. Je mets le couvercle. Et je vous montre le devant. J'appuie sur ce bouton ici, tout s'allume. Ici, je règle le temps. Une fois, deux fois, et je règle 1 minute. Pas de température, et avec ce bouton-là, vitesse 2. J'appuie, et c'est parti. Il s'est arrêté. Je vais l'ouvrir et regarder à l'intérieur. Donc ma pâte est bien homogène, bien fluide. C'est sympa. Donc je vais l'arrêter là. Alors j'ai aussi fait préchauffer mon four pendant 15 minutes à 180 degrés. Je prends un moule à gâteau que je chemise d'un papier sulfurisé. J'y mets mes mirabelles. Je les étale bien et je verse dessus ma pâte. Maintenant, je vais enfourner pour 30 minutes, thermostat 6, 180 degrés et je vous montre après ce que ça donne. Donc voici ce que ça donne. Je ne peux pas vous montrer coupé parce que je suis invitée, donc je l'emmène avec moi. Donc, je ne peux pas vous montrer l'intérieur, peut-être que, mais sans promesse. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Ça coûte rien, c'est facile et ça fait toujours plaisir.